Salut à tous, ici sur Apolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur un enregistrement que j'ai fait sur 150 tickets en retro gaming. Alors, c'était pour le compte de Kev, donc ça va permettre de voir si sa chance est toujours là. Bon, je vais vous passer un petit peu le pool en accéléré, vous mettre le résultat à la fin, avec surtout la répartition de ce qu'il a obtenu. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant. On va pouvoir faire de plus en plus de pools avec tous les tickets qui sont donnés dans les value package. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un exercice qu'on va pouvoir voir et enfin qu'on va voir de plus en plus. Et on va pouvoir aussi avoir une idée moyenne de ce qu'on va pouvoir avoir en progression et ce qu'on est censé obtenir sur 150 tickets. Là c'est un petit peu flou à chaque fois. Il n'y a pas forcément assez de recul. Donc là, pourquoi on fait 150? C'est 150 mensuels pour choper tous les coffres à droite, notamment pour essayer de finir la collection avec les roses et l'orange. Tout ce qui va être violet, vert et rouge, ça va être entre guillemets facile à obtenir. Mais le reste, c'est un peu plus difficile. Et donc, il faut ces coffres pour terminer, en plus des événements de campagne et de tous les drops qu'on pourrait avoir à droite à gauche. Donc ça, c'est hyper structurant, de focus les bonnes séries. J'avais fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à la regarder. Et après, l'autre point, c'est de se dire quelle progression on peut espérer sur 150 tickets. Donc au début, c'est relativement faible. Après, on va monter de plus en plus vite, et une fois qu'on a dépassé, on va dire 50-60%, on va arriver sur un petit plafond de verre et on va progresser un petit peu moins vite jusqu'à compléter les séries. Ça, c'est normal parce qu'en fait, sur chaque pool, étant donné qu'on va pouvoir choper des choses qu'on va pouvoir recycler en cristaux, il y a forcément des doublons qu'on va avoir, et plus on va avancer, plus on va avoir de doublons, donc on va arriver moins vite sur la fin des séries, et c'est là que tous les coffres qu'on va pouvoir attraper auront leur importance. Voilà, donc je vous laisse profiter des poules, et puis vous aurez le résultat à la fin. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, et à bientôt, salut!